donner. Et que ce qui nous est rendu, ce n'est pas seulement l'absence de la crainte et l'absence du danger, mais cette chose pathétique et merveilleuse qu'est l'espérance. Mai 1945. La guerre mondiale est terminée. On célèbre l'armistice. Deux forces politiques sortent victorieuses et vont s'unir pour gouverner la France. Autour du général de Gaulle, il y a les hommes issus de la France libre, forgés dans une lutte militaire commencée 5 ans plus tôt. L'écrivain André Malraux a participé à cette lutte. Il a dirigé la brigade Alsace-Lorraine qui a combattu l'armée allemande. Il y a aussi les communistes. Ils ont participé à la résistance, ils ont eu leur lot de combattants et de martyrs. L'écrivain Louis Aragon a participé à la lutte du Parti communiste. Dans ses écrits clandestins, il a combattu le nazisme. Les gaullistes et les communistes sont les vainqueurs. Les vaincus, ce sont les partisans de l'Allemagne, les collaborateurs et les fascistes. L'écrivain Pierre Drieux-La Rochelle s'était engagé dans cette voie. Avant de disparaître, il a écrit ces mots dans son journal. « Oui, je suis un traître. Oui, j'ai été d'intelligence avec l'ennemi. » Et il s'est suicidé. Drieux-La Rochelle, Aragon et Malraux, trois intellectuels engagés dans leur époque pour le meilleur et pour le pire. Tout a commencé pendant la Première Guerre mondiale. Drieux-La Rochelle est encore un jeune homme. Mobilisé dès 1914, il est blessé à Charleroi et reçoit la Croix de guerre. Drieux est plein de rêves de grandeur et d'héroïsme. Mais cette guerre moderne le dégoûte. Technique, inhumaine, tellement peu chevaleresque. Il dit que c'est une guerre de fer et non de muscles. En 1916, Drieux se fiance à Colette Géramec, la sœur de son ami d'enfance, mort sur le front. Drieux ne l'aime pas, mais il va l'épouser. Elle est comme sa mauvaise conscience de survivant. Que peut-on faire quand on est survivant? Colette fait sa médecine à Paris. Elle le présente à un camarade de la fac, Louis Aragon. Celui-là est étudiant et ne connaît encore rien de la vraie vie. Celle qui se gagne dans la sueur et les tranchées. Entre Aragon et Drieux débute une grande amitié. Aragon découvre la guerre à l'hôpital du Val-de-Grâce. Il fait ses premières armes avec des morts vivants revenus du front. Il est dans un service de fou, le 4e fiévreux. Il fait la connaissance d'un jeune médecin comme lui, André Breton. Les deux garçons sympathisent au nom du poète Rimbaud. Le soir, il se récite à tue-tête des textes poétiques sur fond du hurlement des fous. Aragon est envoyé comme médecin sur le champ de bataille. Il doit réparer la chair en lambeaux et les crânes explosés. Lui-même est enterré 3 fois et s'en sort avec une médaille militaire. Drieux et Aragon assistent à l'armistice de 1918. Comptez 1,5 million de morts, 3 millions de blessés. Ajoutez les gazés, les aveugles, les gueules cassées. Les deux amis sont sidérés par la célébration du gâchis. Drieux comprend que l'époque commence vraiment là. Il écrit « Le XXe siècle sera un siècle dur, violent, rythmé par des luttes sévères. » Le pacifisme est né sur cette désolation.
Des soldats rescapés comme Henri Barbusse dans son roman Le Feu racontent l'horreur. Plus jamais ça. D'autres sont poussés à la révolte. Le mouvement Dada dénonce les responsables du désastre. Toutes ces valeurs pourries, la respectabilité, le chauvinisme. Et toute cette clique de civils belliqueux et de généraux galonnés qui ont organisé la grande boucherie. Ces planqués, ces assassins. Drieu veut réfléchir, empêcher le retour d'une guerre. La paix n'est pas une idée douceâtre, c'est une nécessité pour que l'espèce humaine ne se sacrifie pas. On m'a jeté dans la confusion, il faut que je m'y débrouille, il faut à tout prix que je mette un peu d'ordre autour de moi. Drieu se laisse entraîner par Aragon dans le mouvement Dada, avec André Breton et un groupe de poètes insolents. Ils sont dégoûtés par la morale, et le bourrage de crâne. Il se moque ouvertement du monde. Plus d'armée, plus de police, plus de patrie. Enfin, assez de toutes ces imbécilités. Plus rien, 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 rien. Avec le groupe des dadaïstes, Drieu et Aragon dénoncent le patriotisme qui a produit 14-18. Les jeunes gens se moquent de Maurice Barrès, l'écrivain va-t-en-guerre. Ils font son procès factice pour atteinte à la sûreté de l'esprit. Drieu est cité comme témoin à décharge. Aragon fait l'avocat mais plaide contre son client. Pour l'occasion, l'un des comparses revêt l'uniforme allemand. Il marche au pas de loi et fait figure de soldat inconnu. Six mois plus tôt, la foule parisienne a accueilli le corps d'un soldat inconnu. Le pays possède son héros et c'est un mort entouré de carton-pâte. Drieu en a vu des soldats inconnus. J'aurais voulu témoigner pour mes amis, pour les jeunes hommes, pour ceux qui ont combattu, pour ceux qui sont morts. Nous sommes ici les pieds dans nos cadavres. Accablé met en scène sa douleur. Mais Drieu refuse que la victoire soit confisquée par des notables et des vierges éplorées. J'ai 27 ans et je suis suspendu à ma plume. Mon culte lucide et dur est un fer chauffé à blanc. Avec Aragon et les surréalistes, Drieu pratique maintenant l'injure. Le groupe attaque les écrivains serviles, les auteurs légendaires comme Anatole France, à qui le pays fait des obsèques nationales. Drieu finance un pamphlet intitulé « Un cadavre » et chacun en rajoute dans la profanation. « Avez-vous déjà giflé un mort ?» demande Aragon.
Drieux pense à ses propres morts. Il se souvient d'une guerre sans vieillard ni flonflon. Notre piété n'est pas disponible pour ce trépas douillet, pour ces funérailles abondantes qui durent depuis 2 ans. Que de pleureuses à barbe. La France célèbre la paix. Partout, ce sont des rondes, des défilés, des fêtes de la jeunesse, l'amitié entre les peuples, l'avenir radieux. Toutes ces bonnes intentions, Drieux s'en méfie. Les patries sont sorties de la guerre couvertes de sang, chancelantes. Drieux pense que l'Europe est fragile parce qu'elle est divisée, partagée en 25 nations concurrentes. C'est de là que vient le danger. Si l'ère des patries n'est pas close, l'heure des alliances est ouverte. L'alliance, c'est ce qui calmera les égoïsmes, évitera la guerre. Mais Drieux doute des efforts faits par la diplomatie. Aristide Briand, Locarno. Les grandes idées, ça ne suffit pas. Locarno, qui pourra jamais oublier ce nom qui symbolise l'idée maîtresse de Briand. Pour avoir la paix, il faut avoir foi dans la paix. L'élément de défense le plus fort, celui qui ne peut égaler aucune organisation de frontières, c'est la conscience et la confiance des peuples. Je ne suis pas pacifiste. Je n'ai jamais été pacifiste. Mais la guerre de 1918 m'a brouillé avec l'idée de guerre entre Européens. Drieux n'est pas pacifiste, mais il aime l'Europe. Pour sa culture, son passé, ses valeurs communes. Et même pour ses patries. En 1925, l'Europe va faire la guerre ailleurs, dans le Rif marocain, une guerre coloniale. Les surréalistes se déchaînent. Ils détestent les militaires et ils se joignent aux communistes pour protester. Ils publient ensemble une déclaration « La révolution maintenant et toujours ». Pour Aragon, cette guerre est un vrai coup de tonnerre. Et la littérature ne restera pas les bras croisés. « Monde occidental, tu es condamné à mort. Nous sommes les défaitistes de l'Europe. Prenez garde, nous sommes les agitateurs de l'esprit. » Aragon donne une nouvelle gravité militante à ces mots. On les entend résonner autrement. Ils sont comme aimantés, venus d'ailleurs. L'aimant, c'est la grande révolution socialiste. Aragon comprend que ces mots révoltés resteront des incantations s'ils ne se mêlent pas au tourbillon du siècle. Ce siècle, né en 1917, tandis que l'ancien monde s'était lamentablement défait en 1914. La révolution russe, c'est l'enjeu majeur. Drieux écoute Aragon avec perplexité. Lui, son opinion est faite. En 1918, j'ai pensé un instant que la Russie allait s'opposer idéalement dans le monde à l'Amérique. Mais l'URSS se comporte déjà comme les autres pays. Elle manifeste sa volonté de puissance. Aragon et les surréalistes haussent le ton. Ils attaquent Paul Claudel, l'écrivain ambassadeur. Ils crient « À bas la France !» et « Vive l'Allemagne !» Ils provoquent des scandales publics. À droite, l'Action française demande qu'on les fasse taire, qu'on les expulse. Drieux s'émeut de tout ce vacarme. Il écrit à Aragon « Il vaudrait mieux laisser tout cela tranquille et chanter l'amour. À quoi sert de brailler « Vive Lénine !» Aragon lui répond méchamment « Vive Lénine, Drieux, quand je te vois te complaire à cet esprit de compromission où pas une idée ne tient. Tu t'en vas, tu t'effaces, ombre, va-t'en, adieu. » Et pourtant, les deux hommes viennent de passer ensemble leurs vacances à la mer. Cette dispute sur Lénine a l'air plutôt sentimentale. Drieux dédicace à Aragon son nouveau roman « L'homme couvert de femmes ». Drieux tient à l'amitié d'Aragon. Il l'a tellement admiré depuis 10 ans, depuis ce jour de 1916 où une jeune étudiante les avait présentés. Aragon ne semble pas affecté et poursuit sa conversion politique.
il s'inscrit au Parti communiste. Il est à la recherche de solutions fortes, définitives. Aragon trouve une nouvelle famille. Il a toujours aimé les mouvements, Dada, les surréalistes. Mais celui-là est d'une autre trempe. On passe de la révolte à la révolution. Aragon, l'intellectuel petit bourgeois, soutient maintenant les grèves, les manifestations. Il s'engage. À l'époque, le PCF est un parti extrémiste. Les militants sont traqués, les dirigeants emprisonnés. C'est l'heure des affrontements avec des mots d'ordre venus de Moscou. À bas les régimes bourgeois et leurs valets sociaux-démocrates. Classe contre classe. Aragon, le poète délicat, est traité comme un militant anonyme. Tant mieux. Il appartient désormais au grand parti de la classe ouvrière. Fini l'époque des blagues potaches. Allez, qu'on ne se paye plus de mots. Drieux pense que si, on se paye de mots. Le communisme, c'est le mensonge du siècle. Il l'écrit dans une lettre ouverte aux surréalistes, où il parle de solitude et d'amitié perdue. La rupture avec Aragon prend un tour romanesque. Amoureux, Drieux se sent trahi, abandonné. C'est la fin de leur relation intime. Adieu Aragon. Et Drieux rencontre Malraux. Les deux hommes entament une amitié qui durera près de 20 ans. Malraux est jeune, il a du charme, le goût des voyages et des sensations fortes. Il trafique, touche à l'opium, s'est fait emprisonner en Asie pour un vol de statue. Il vient de publier Les Conquérants. Entre Drieux et Malraux, on est sur un terrain commun. Les grandes affaires de l'homme. La quête de pureté sur fond de déchéance. Le PCF suscite une union des femmes contre la guerre. Elle dénonce les menaces des pays occidentaux contre l'URSS. Elles disent que pour défendre la paix, il faut d'abord défendre la patrie du socialisme. À droite, les anciens combattants disent qu'on doit garder une armée forte. Pour défendre la paix, il faut d'abord défendre la patrie. Drieux essaie de penser au-delà des patries. Il réfléchit plus largement, il fait de la géopolitique. Il imagine l'Europe comme une entité nouvelle sur la carte du monde. L'Europe doit s'unir pour résister aux autres blocs. À l'Est, la Russie communiste se comporte comme un nouvel impérialisme. À l'Ouest, l'Amérique capitaliste impose déjà sa technique, ses produits, sa culture. Voilà justement l'Américain Kellogg qui vient en France pour superviser un projet de paix perpétuelle préparé par Briand. Drieux suit de près les efforts de la diplomatie. Il approuve cette ouverture, cette tentative pour se prémunir contre un nouveau désastre. Mais est-ce que la bonne volonté sera suffisante? Une vingtaine de nations signèrent le 27 août 1928 un pacte général de renonciation à la guerre, ainsi défini par Briand. Pour la première fois à la face du monde, dans un acte solennel engageant l'honneur de grandes nations, ayant toutes derrière elles un lourd passé de lutte politique, la guerre est répudiée sans réserve en tant qu'instrument de politique nationale, c'est-à-dire dans sa forme la plus spécifique et la plus redoutable, la guerre égoïste et volontaire. Pendant ce temps, Aragon se renforce dans son soutien au Parti communiste. Il part pour Moscou avec sa nouvelle compagne, Elsa Triolet. Elle est russe et elle l'initie à l'esprit du pays, aux arcanes du régime. Son caractère décidé, sa rigidité conviennent à la nature un peu cérébrale d'Aragon.
ils vont à Kharkov, à la Conférence internationale des écrivains révolutionnaires. Aragon se plie aux directives, dévouement, discipline, ralliement. Il publie une autocritique où il renie son passé surréaliste. Le parti et Elsa sont ses nouvelles amours, et il leur restera fidèle longtemps. Drieu n'a pas ses certitudes. Il cultive le doute, l'allée venue. C'est son côté esthète, l'indécision qui le promène d'une femme à l'autre, ce goût changeant à se marier, se démarier, accumuler les maîtresses. En politique aussi, il multiplie les essais. Il a d'abord côtoyé l'Action française, ensuite le Parti radical. Il se considère comme un bourgeois de droite, mais d'inspiration socialiste. Il aimerait réunir tous ses contraires. La séance est ouverte sous la présidence de M. Henderson, délégué de la Grande-Bretagne. Drieu va à Genève observer la Société des Nations, la SDN. Il y a une Europe qui est en train de crever, mais il y a au milieu de cette Europe une institution neutre qui est solide. Expose la thèse italienne sur la double question de la sécurité et du désarmement. Enfin, M. Briand prend la parole. Il écoute Briand, le pacifiste infatigable, l'artisan de la réconciliation franco-allemande. Briand qui poursuit ses tournées triomphales en prônant une idée généreuse de la paix au-delà des partis et des calculs égoïstes. Quand Briand part pour Berlin avec Laval en 1931, l'effort de paix semble aboutir. La France et l'Allemagne se retrouvent. Les deux démocraties sont prêtes à s'entendre. Mais c'est peut-être trop tard. Au même moment, les nazis gagnent des sièges au Parlement. Ils défilent dans la rue. On voit revenir la brutalité, la sauvagerie. Peut-on croire encore à la paix, au moins quelques instants ? Charleroi, la Marne, il faut que je sache. Il faut que nous sachions, c'est là que s'est nouée ma vie. Pacifistes, mes frères, la besogne sera rude. Qu'est-ce qu'il y a? Mais, si nous savons vouloir, un jour viendra où sur l'humanité, enfin délivrée, de ce qui reste d'animalité en elle, pourra descendre cette paix vers laquelle le monde, depuis l'origine des temps, halète, cette même paix qui, chaque soir, dans tous les pays de l'univers, endort les gens. Édouard Herriot succède à Briand et poursuit sa vision humaniste de la paix, la main tendue, l'harmonie des nations. À droite, les anciens combattants protestent. Ils craignent que la France renonce à sa sécurité. La séance est suspendue. Les patriotes et les humanistes se disputent à propos de la paix. Tôt ou tard, il faudra choisir. La France veut la paix, mais le sentiment national en nous n'est pas mort. Il y a d'abord les anciens combattants, les familles éprouvées, toutes les classes sociales meurtries. Il y a après cette jeunesse qui serait appelée demain à faire la guerre. Si le fléau venait encore à se reproduire, tous, à l'heure actuelle, ont une même volonté, ont un même désir, tirer les causes, rassembler en France tous ceux qui sont faits pour être sous la foudre. Drieu a pris quelques longueurs d'avance sur ses contemporains. Il cherche à placer l'alternative guerre ou paix dans une réflexion plus vaste, plus complexe. Il voudrait que l'Europe,
trouve sa formule vitale, originale, entre New York et Moscou, entre le supercapitalisme et le supersocialisme. Pour Drieu, l'Europe doit s'inventer elle-même. La conférence du désarmement qui s'ouvre à Genève en 1932 cristallise tous les espoirs, peut-être les derniers. Voilà 10 ans depuis la fin de la guerre qu'on parle d'entente entre les peuples. Mais comment assurer la paix si les pays refusent de désarmer? Après les diplomates, ce sont les représentants de la société civile qui s'y mettent. Les mouvements de femmes, les syndicats. Les 14 millions de pétitions émanant de fédérations. Même les intellectuels veulent se consacrer à la paix. Et Malraux est là. Malraux a 30 ans. Il est plein de rêves d'action. Il a reçu un prix pour La Voix royale, un récit d'aventure dans la jungle indochinoise. Il est inspiré, mais impatient. Il veut entrer dans l'arène, s'engager. Il adhère à l'Association des écrivains et artistes révolutionnaires, un mouvement créé par le Parti communiste pour impliquer les intellectuels soucieux de la paix. Mais de quelle paix s'agit-il ? La paix des démocrates ? Ou celle des communistes comme Aragon ? Pour eux, la paix viendra seulement quand l'exploitation aura cessé et que les hommes seront des égaux. L'humanité lance l'idée d'un grand congrès contre la guerre. L'appel est signé par Henri Barbus et Romain Rolland, deux écrivains pacifistes célèbres. Le congrès commence à Amsterdam à l'été 32 et se poursuit à Paris l'année suivante. Aragon y participe. Malraux aussi, au premier rang. C'est le nouveau compagnon de route du PCF. Ce qui l'anime depuis sa jeunesse, c'est le désir d'agir. Il trouve là de quoi construire son destin. 3000 délégués sont rassemblés pour la paix. Ils veulent incarner la pensée européenne, mais cette Europe est peut-être déjà morte. Hitler est arrivé au pouvoir au début de cette année 33. Malraux et Aragon ne crient plus dans le vide, leur engagement est justifié. Le combat pacifiste sera désormais un combat contre les nazis. Vive l'antifascisme! Drieu sent la montée inéluctable du fascisme en Europe. Il fait une tournée de conférences en Argentine et confie ses impressions. La vie du monde occidental va être tirée de sa torpeur et déchiré par le dilemme fascisme ou communisme. Drieu trouve des avantages dans les deux. Son ami Malraux, lui, a choisi. Avant tout, le fascisme allemand nous montre que nous sommes peut-être en face de la guerre. N'oublions pas que nous devons faire les uns et les autres tout notre possible pour que la guerre n'ait pas lieu. Les nazis ont mis le feu au Reichstag et accusent les communistes d'être les incendiaires. Malraux dénonce le procès truqué et patronne un comité de défense. Il s'engage. Il court les tribunes et multiplie les appels. Il va même à Berlin avec l'écrivain André Gide pour protester auprès des nazis. L'antifascisme est devenu sa cause. C'est ce jour-là que se produit la grande rupture pour Drieu-Larochelle. Le 6 février 34. Plusieurs milliers de manifestants partent à l'assaut de la Chambre des députés. Ils dénoncent la corruption des partis, l'affaire Stavisky, les scandales financiers. Ils condamnent ce régime parlementaire où les gouvernements se font et se défont très vite à coups d'alliances et de combinaisons. Le système est pourri. Drieu assiste à l'événement. Pour lui, cette émeute est une révélation. Le masque tombe. On découvre la médiocrité des partis au pouvoir, la France engourdie dans sa torpeur d'après-guerre. Il faut un coup de théâtre et cette nuit est le lever de rideau.
Les émeutiers du 6 février, ce sont les ligues d'extrême droite. Des royalistes, des nationalistes ou des fascistes imitateurs de Mussolini. Drieux réfléchit à la solution du fascisme. Il apprécie le côté nerveux, tendu, viril de cette idéologie qui séduit déjà l'Italie et l'Allemagne. La gauche riposte aux émeutiers. Aragon y participe. Pour lui aussi, la nuit du 6 février est un signal fort. Les fascistes étaient prêts à faire un coup d'État. Durant la manifestation, les militants communistes et socialistes fraternisent. Pour la première fois, la gauche veut oublier ses divisions. Sa querelle historique qui remonte au congrès de Tours en 1920, quand le parti communiste était né d'une scission de l'Internationale. Au nom des socialistes, Léon Blum exhorte à l'unité. Nous vous avons appelé aujourd'hui à manifester votre force, votre puissance calme et disciplinée, votre résolution inébranlable. La preuve est faite. La province soulevée tout entière. Paris rassemblée dans cette manifestation signifie aux hommes du fascisme et du royalisme qu'ils ne passeront pas. La réaction ne passera pas. Aragon est partisan de l'unité de la gauche. Mais au sein du PCF, la question oppose les dirigeants. Jacques Doriot avait proposé l'unité 2 ans plus tôt, mais Moscou n'en voulait pas et il avait été désavoué. Aujourd'hui, la ligne change et c'est Maurice Thorez qui en profite. Aragon n'est pas dans les sphères dirigeantes du parti. Il n'est qu'un troubadour. Mais il assiste à cette lutte au sommet qui se conclut par l'exclusion de Doriot et la victoire de Thorez à la tête du parti. C'est le nouvel homme fort du communisme français. Drieux n'a pas encore trouvé son homme fort. Il écrit « Un chef est une récompense pour des hommes d'audace et de volonté. Nous sommes loin du compte ». Il publie un livre au titre étrange, Socialisme fasciste. Drieux ne voit là aucune contradiction. Il veut prendre le meilleur du socialisme et du fascisme. Il propose une synthèse inédite. Cette proposition de Drieux se retrouve à l'époque chez d'autres penseurs politiques. Des socialistes comme Marcel Déa imaginent une gauche renouvelée par les vertus du fascisme. Ils cherchent une troisième voie qui tremperait le socialisme vieilli dans un courant autoritaire. Au Parti radical aussi, Gaston Bergerie cherche une synthèse des extrêmes. Drieux note que Mussolini, le fondateur des faisceaux italiens, était d'abord un socialiste. Et Hitler qualifie son mouvement de national-socialiste. Drieux pèse bien ses mots quand il définit le type de parti nécessaire à la France. Ce parti ne peut être que national et socialiste. Que de chemin parcouru. À peine 6 ans qu'Aragon et Drieux se sont fâchés. L'un parle de national-socialisme, l'autre met son talent au service du communisme. Il publie Les cloches de Bâle, premier roman du cycle Le Monde réel, où la littérature adopte le ton du réalisme socialiste. Aragon s'engage toujours plus. Sa voie est tracée, il ne s'en écartera plus. Malraux s'engage, lui aussi. Mais il est plus impulsif. Il reste un intellectuel indépendant, un esprit rebelle aux appareils, même s'il brûle de se rallier aux grandes causes. Un comité de vigilance des intellectuels antifascistes est créé avec des personnalités des partis de gauche. Ils affirment que leur intervention peut sauver le pays de la tyrannie. Nous sommes prêts à tout sacrifier pour que la France ne soit pas soumise à un régime d'oppression et de misère belliqueuse. Voilà le genre d'appel qui convient à Malraux. Il va à Moscou et retrouve Aragon au congrès des écrivains soviétiques.
Depuis qu'il a reçu le prix Goncourt pour la condition humaine, il est reconnu comme un grand écrivain. Dans ses conférences, il dénonce inlassablement le fascisme. Malraux n'est pas un pacifiste à tout prix. Il n'a pas fait la guerre. Il n'appartient pas à la génération des Barbus ou Giono, ces combattants devenus écrivains qui ont gardé une peur viscérale du conflit. Lui, son credo pacifiste est né dans le combat antifasciste. Il pense qu'un affrontement armé sera nécessaire. Il écrit un récit engagé, Le temps du mépris. Il dédie son livre aux communistes emprisonnés par les nazis. Malraux garde les yeux braqués sur l'Allemagne comme Aragon, comme Drieux. À Paris, à l'été 35, le congrès des intellectuels affirme qu'on ne peut plus être simplement pacifiste. Il faut réagir. C'est l'occasion pour Malraux de confirmer sa stature. André Gide tend le poing aux côtés d'Aragon. Malraux déclare d'un ton pathétique « Camarades de mon âge, vous ne mourrez peut-être pas de la guerre, mais vous ne mourrez pas sans avoir vu la guerre. » Avec le nazisme, la guerre est inévitable. Drieux, lui, va admirer la vigueur de la jeunesse nazie au congrès de Nuremberg en septembre 1935. Il y a dans l'Allemagne hitlérienne une force morale, comme il y en a dans l'Italie mussolinienne. Le national-socialisme lui semble une bonne solution pour la France. Dès 9h30, le président de la République vote à l'école des filles de la rue de la Ville-l'Évêque. Les mutilés donnent l'exemple du droit électoral. C'est une solution opposée qui triomphe en mai 36. La gauche unie se présente aux élections législatives. Le Front populaire va l'emporter. À voter. Place de l'Opéra, la foule prend connaissance des résultats affichés sur des tableaux lumineux. Cette victoire, Aragon la vit passionnément. Elle justifie son engagement depuis 10 ans. Le PCF soutient le gouvernement de Léon Blum. Les communistes s'engagent. Aragon est un enfant de l'histoire. Cette histoire-là, collective, enthousiaste, mythique. 1936, c'est une date qui marque un tournant dans sa vie. La rencontre des idées et des faits. Le passage de la théorie à la pratique. L'inscription de la pensée socialiste dans la vie quotidienne des Français. Il y a là comme une revanche sur tant d'années difficiles, quand le PCF était taxé d'extrémisme, de danger pour le pays. Le Front populaire, c'est le triomphe du vrai. Aragon, l'intellectuel, n'a plus peur de passer pour un rêveur, un écrivain coupé de la vie. Au studio de Joinville, on danse. Regardez ce brave comptable qui s'en donne à cœur joie. Le poète a rencontré le peuple. Aragon a trouvé son destin. Drieux n'a pas encore trouvé son destin. Il attend la force qui rassemblera toutes les sensibilités. Il guette celui qui incarnera la politique des contraires. Et voilà qu'apparaît Jacques Doriot et son nouveau Parti populaire français. Drieux pense tenir enfin son homme providentiel. Doriot a fondé son parti avec des militants venus de tous les horizons. D'anciens communistes comme lui, des royalistes de l'Action française, des radicaux en rupture de banc, des déçus de différents mouvements, de l'extrême gauche à l'extrême droite, le Parti populaire français, c'est le creuset tant attendu par Drieux, la fusion des énergies, le véritable esprit fasciste. Drieux s'engage sans hésiter. Il va aux réunions, écrit dans le journal du parti, devient membre du comité central. Il rédige une brochure, Doriot,
ou la vie d'un ouvrier français. Doriot est grand. Tout en lui respire la santé, la plénitude. Une force nouvelle le soulève, le transfigure. Avec Doriot, Drieux a enfin trouvé son homme fort, comme Aragon a trouvé le sien avec Maurice Thorez. Maintenant, il faut réaliser une politique qui tienne compte des volontés de notre peuple. Il faut désarmer et dissoudre les lignes de guerre civile. Doriot et Thorez, qui avaient milité ensemble au Parti communiste, sont devenus d'irréductibles ennemis. Aragon et Drieux, qui avaient été si proches, sont fâchés à jamais. Et bientôt, la guerre d'Espagne va creuser leur écart. La rébellion éclate. Les militaires, après avoir préparé d'importants dépôts d'armes et de munitions dans les garnisons, s'insurgent contre le pouvoir légal. On voit surgir les barricades, comme dans les luttes sociales... La guerre d'Espagne révèle les peurs de l'époque. Peur d'un nouveau risque fasciste après l'Italie et l'Allemagne. Peur d'un nouveau conflit en cas d'intervention. On organise une démonstration en faveur du gouvernement espagnol. Deux longs cortèges défilent pendant plus de deux heures devant la statue de la République en exprimant leur sympathie au gouvernement de Madrid. Avec les communistes, Aragon voudrait que la France aide la République espagnole. Qu'elle fournisse des armes, des canons, des avions. Les autres partis ont peur d'être pris dans l'engrenage. Les communistes sabotent toute la politique sociale du Front populaire. Les communistes sont en train de nous pousser vers la guerre. Avec Édouard Herriot, les radicaux refusent d'intervenir. Le parti radical et radical socialiste, conscient de ses devoirs envers la République et envers la France, ne veut à aucun prix ni de la guerre étrangère, ni de la guerre civile, il n'en veut pas. Le Rassemblement pour la paix a réuni des centaines de milliers de personnes qui ont acclamé les leaders du Front populaire. Chers camarades, chers amis. Avec les socialistes, Léon Blum penche pour un soutien. Puis il se résout à la neutralité. Nous voulons la paix. Un accord de non-intervention est signé par les pays européens. Il n'est pas respecté. Si évident qu'on ose à peine dénoncer. Hitler et Mussolini engagent leur aviation et bombardent l'Espagne. La cause de la paix universelle, elle est intimement liée à l'heure actuelle. La guerre d'Espagne, comme le nazisme, oblige les pacifistes français à choisir la protestation indignée ou l'affrontement. Malraux trouve enfin sa mesure, mourir pour ses idées. Il recrute des mercenaires, récupère quelques avions et part en Espagne fonder une brigade aérienne. Il n'a pas le soutien d'un parti, il agit seul. C'est son côté un peu desperado, le goût d'aller à la bagarre. Depuis sa jeunesse, Malraux a aimé les défis. Déjà en Indochine, il s'était lancé dans des affaires périlleuses. Il y trouve une satisfaction de son moi. Il se donne une mission, aller combattre à lui seul toute l'aviation fasciste. Mais son romantisme va le perdre. La guerre d'Espagne n'est pas faite pour les amateurs. Bientôt, l'éphémère brigade Espagna sera dissoute et Malraux rentrera en France. Malraux retrouve sa place habituelle, sur les tribunes, dans les congrès.
À l'été 37, il va au congrès de Valence avec tous les intellectuels européens qui soutiennent la République espagnole. Une fois de plus, il côtoie Aragon à la tribune. Il fait également des conférences pour réunir des fonds. Puisque la guerre ne veut pas de lui, il mettra son talent dans les mots. Je crois qu'il est bon que les étudiants aient ici leur responsabilité. La véritable guerre d'Espagne commence. Il se remet à l'écriture. Il commence un roman, L'Espoir, tiré de son combat en Espagne. Son antifascisme, il peut aussi bien l'insuffler dans les mots. Drieu ne va pas combattre en Espagne, comme son ami Malraux. Mais il écrit aussi un roman, Gilles, où le héros mène une vie qui lui ressemble. En cette année 1937, Gilles, le double de Drieu, va faire la guerre aux côtés des fascistes espagnols. Gilles contre l'Espoir. Drieu contre Malraux, deux intellectuels parmi les plus brillants de leur génération, empoignent l'histoire à coups de mots. Mais est-ce que les idées peuvent changer le cours du monde? L'Anschluss, les rêves d'hégémonie de l'Allemagne hitlérienne se réalisent. Comme une bombe, la nouvelle éclate. L'Anschluss, le drame se déroule en quelques heures. Hitler exige tout d'abord l'annulation du plébiscite autrichien. Hitler exige ensuite le départ de M. Schuschnigg, qui à la radio annonce « Je cède à la force ». Hitler exige la nomination comme chancelier de Seyss-Inquart, qui fait appel aux forces allemandes et proclame le rattachement de l'Autriche au Reich. À l'automne 38, Drieu se proclame ouvertement fasciste. Il a balayé ses dernières réticences et attend que la France s'unisse dans un parti de dictature. Drieu admire l'Allemagne nazie, mais il désapprouve les annexions. Hitler accule les pays européens. Drieu voudrait que la France ne cède pas, qu'elle préserve sa vitalité. Aragon, avec les communistes, prône la fermeté. Pour une fois, il se retrouve sur les mêmes positions que son ancien ami Drieu. La crise de Munich brouille toutes les catégories politiques. Certains préfèrent Hitler à Staline. D'autres prônent une mauvaise paix plutôt qu'une nouvelle guerre. Les uns veulent combattre Hitler par patriotisme, mais les autres disent que la France n'est pas prête. Les socialistes se déchirent entre eux. Ils se traitent de pacifistes bêlants et d'antifascistes belliqueux. De tous côtés, une même incantation depuis 20 ans, la paix. Quand l'avion se pose sur l'aire d'atterrissage, les acclamations jaillissent de toutes parts. La rumeur s'amplifie et prend bientôt une force incroyable. La foule devient de plus en plus ardente. Le service d'ordre arrive. Quand Daladier rentre avec l'accord signé, Drieu l'interpelle en ces termes. Vous êtes revenu de Munich couvert de notre honte. Drieu reproche à la démocratie de se montrer impuissante. Il pense que la France a besoin d'un régime fasciste pour exister face à Hitler. Il écrit « Mourir en démocrate ou survivre en fasciste ». Pendant ce temps, Malraux tourne un film d'après son roman « L'Espoir ». Il s'est installé dans les studios à Barcelone et il reconstitue les épisodes glorieux de sa brigade Espagna. L'Allemagne continue sa marche vers l'Est. À l'aube du 15 mars 1939, la Wehrmacht fait à 10h du matin son entrée à Prague, où la suit deux jours plus tard le chancelier Hitler. Hitler n'a pas fini son ascension. Au printemps, il annexe la Tchécoslovaquie. À l'annonce du pacte germano-soviétique, Aragon publie un éditorial enthousiaste. « Vive la paix,
Le pacte de non-agression avec l'Allemagne imposé à Hitler, c'est le triomphe de la volonté de paix soviétique. Aragon est bien obligé de soutenir l'URSS. Mais comment accepter cette alliance contre nature de Hitler avec Staline ? Du jour au lendemain, les communistes français sont accusés de trahison. Le PCF est interdit, ses journaux confisqués et tous ses députés démis de leur mandat. Le 1er septembre, à l'aube, les troupes allemandes attaquent la Pologne sans déclaration de guerre. De cette agression cynique et barbare. Un mois plus tard, l'Allemagne envahit la Pologne et la guerre est déclarée. Aragon est mobilisé. Le voilà de nouveau sous les drapeaux, 20 ans plus tard. 20 ans après la fin de la Première Guerre. Tous ces combats contre l'impérialisme, contre le fascisme. Tant d'efforts pour en arriver là. Quel échec! Malraux rejoint son unité. Pour lui aussi, l'heure est amère. Avoir passé une décennie à courir les congrès pour dénoncer les menaces du fascisme, s'être engagé sur tous les fronts et dans tous les combats en faveur de la paix, et maintenant, le pire est arrivé. Drieux savait que la défaite était inéluctable. Il s'y préparait, d'une certaine manière, il l'espérait. C'est seulement à ce prix qu'une Europe pacifiée est devenue possible. Une Europe nouvelle, régénérée, sous la direction de l'Allemagne. Drieux prend la direction de la NRF et règne sur le monde intellectuel parisien. Lui qui avait dénoncé les patries et le nationalisme, lui qui s'était d'abord cru un homme de gauche, qui avait pensé revigorer le socialisme en le trempant dans le fascisme, il a traversé tout le champ politique français jusqu'à devenir le soutien des nazis. 5 ans plus tard, il se retrouvera dans le camp des perdants et il se suicidera. Ses deux anciens amis seront, eux, dans le camp des vainqueurs. Malraux rejoindra le général de Gaulle et deviendra un jour son ministre de la Culture. Aragon restera longtemps fidèle au Parti communiste, dont il sera l'une des figures célèbres.